C'était tellement d'époque parce que, comme à Moscou à l'époque, les magasins étaient souvent vides, donc tout le monde se balade avec des sacs en plastique en espérant de trouver quelque chose quelque part. Donc, mais pour moi, la Russie de l'époque, c'était un choc visuel très intéressant. C'est comme si j'avais une autre palette de couleurs dans les mains, quoi. Moi qui avais travaillé au Maroc, en Inde, en Amérique et tout ça, avec une lumière beaucoup plus forte, et en Belgique aussi. Pour moi, une image très forte, c'est pas seulement une image qui est très bien composée, mais qui dit quelque chose sur l'endroit que ça a été fait et le moment où ça a été fait.